Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Twitch et tous ceux qui nous regardent bien sûr sur YouTube. Nous avons rajouté deux modes. Le glissement détruit les champs et nous avons rajouté, je sais plus où il est, je le cherche, le petit mode météo dynamique. Voilà, le Rain Pain. Du coup, ce qui devrait améliorer un peu grandement notre gameplay et ressemblera peut-être au gameplay de FS25, même si j'ai une petite information à vous dire, si vous avez regardé la vidéo actuelle que j'ai balancée, et l'article a été totalement créé par IA et de source sur des vidéos, des demandes de certains youtubeurs ou streamers des prochains contenus que vous aimeriez avoir. Donc en clair, les vidéos actuelles n'est pas une vidéo actuelle. C'est une vidéo, on aimerait bien que ça ressemble à ça, mais c'est pas de l'actualité. Hein. C'est pas ce que Farming avait prévu en aucun cas. Voilà. Je tenais à vous le dire. Parce que avant que ça fasse polémique pour rien. Voilà. Et salut Snow, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Voilà, ça va bien. C'est bien pété, là. Ah oui, c'est bien pété. Hein. Alors on est toujours avec notre cher Fiat. Notre cher Fiat qui a un semoir peut-être un tout petit peu trop gros. Donc on ira le réduire, voir si on peut récupérer un peu d'argent en même temps au passage. Et on va planter du colza. Normalement. C'est bon, ça plante pas. Oh, ça plante pas. Ah bah oui, j'ai que broyé, j'ai pas préparé le terrain. Bah si, je l'ai. J'ai mis un coup de cultivateur, je suis pas fou. Attends. Je suis pas fou là. On a fait le cultivateur le dernier coup là. Qui me dit que j'ai pas fait 37. Ah mais si, ça sème. Ah si, ça sème. Oh putain, on voit pas la différence. Je suis pas avec le GPS. Oh, j'ai même pas un traceur. Oh, ça va être compliqué. Ouh, ça patine. Ouh, ça patine là. Ouh, ça va être compliqué. Eh, hey, le coup du patinage est pas dégueulasse hein. Ah, par contre, ça patine sérieusement. Ça patine vraiment dur, quoi. C'est chaud, c'est hardcore. B. Voilà. Est-ce que je peux. Si je le remonte, je vais plus avoir de direction. Donc il va falloir que je le fasse un peu comme ça. On va essayer de faire les détourages en premier. D'ailleurs, on devrait. En vrai, vous faites quoi quand vous semez les agriculteurs là? Vous faites détourage et intérieur ou vous faites intérieur et détourage après? Je pense que la logique voudrait faire l'intérieur et après le détourage, je crois. Je pense que ça serait le plus logique. Non. C'est FS25, excusez-moi. Oui, FS25, oui, pardon. Excusez-moi. Je me suis trompé. Veuillez, je vais mettre en vue d'intérieur. Je galérerai peut-être un peu moins. Voilà. Vous avez compris, quoi. Je veux dire, la vidéo d'actu, vous fiez pas à ce qui a été dit, parce que il y a 99% de chances que ça a rien à voir avec les actus FS25 qui vont vraiment sortir d'ici la FarmCon, je pense. Intérieur après détourage. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce qui me semblait, que intérieur puis détourage. Ça me paraissait plus logique. T'sais. Et merci pour le follow, merci beaucoup. En avant-première, la S8 à prod. Comment ça, l'avant-première? Qu'est-ce qu'il y a avant-première? C'est même pas moi l'avant-première. Moi j'ai fait le mouton en plus sur ce coup là, tu vois. Je l'ai fait parce que je me suis dit, bah tiens, il y a une vidéo actuelle à faire. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Ça serait peut-être pas mal. Et du coup j'ai regardé. Et je l'ai fait. J'avais plus d'articles des collègues, mais j'ai envoyé le requin Calistar à la chasse pour savoir d'où venait bien sûr la provenance de toutes ces informations qu'on avait. Ce que j'avais pas réussi à faire sur le coup quand j'ai fait la. J'ai fait le live. Et du coup Kali a réussi à retracer l'origine de l'article de base. Et du coup ça a été créé entièrement par une IA sur certaines vidéos qui datent même de plus de 3-4 mois quoi. Ce qui confirme nos craintes. Ça me paraissait tellement gros ce qu'il proposait, que du coup ça confirme bien que que c'est pas ça en fait. Ça sera peut-être pas ça. Voilà. Du coup ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je vous le cache pas. Hein. Là du coup on sait pas ce qu'il va y avoir dans le prochain farming, mais j'espère que du coup, vu que ça a fait beaucoup de bruit, cette histoire d'article, que Giant s'amuse à le
Bah, essayer de le suivre un tout petit peu, essayer de suivre la trame, quoi, même si j'y crois pas trop. Et ça pourrait être intéressant. Voilà. F12 ou un prime écran pour capture d'écran sur le jeu. Voilà, si ça peut t'aider, Snow, bien sûr. N'hésite pas à poser les questions que tu veux. On est là pour ça. Ah, on a une petite différence de texture au sol. Par contre, moi, ce qui m'éclate, c'est pour ça que je suis en vue extérieure et pas en vue d'intérieur. Ce qui m'éclate, c'est le patinage. Regarde comment ça patine. Le tracteur, dès qu'il patine, il creuse. Par contre, je me rappelle pas que le Fiat est en 4 roues motrices sur le FS19. Et pour ceux qui me posaient la question, est-ce que je peux mettre un 3 points à l'avant? Bah, en fait, je peux vous répondre, les gars, non, je ne peux pas, malheureusement. Je ne peux pas le faire. Oh, j'ai détruit mon champ, regarde. T'as vu? J'ai fait un petit trou dans le champ. Ah ouais, à chaque fois que je patine, en fait, je fais un trou. Donc là, normalement, je devrais faire une belle rainure. Attends, pose-toi gentiment. On va se redresser. Alors oui, j'y vais tranquille parce que... Comment te dire que... Le Fiat est un tout petit peu... Un tout petit peu léger. Et le Sommar un tout petit peu trop gros. Ou un tout petit peu trop lourd. Ça dépend comment vous voyez les choses. Oulé, calme-toi. On va te poser. Voilà, tu vas pouvoir le faire. Alors là, je suis plus du tout aligné, mais c'est pas grave, ça va refaire mes... patinages. Hop, on va faire comme ça. Tu auras un 6R sur le FS25. Waouh, comment ça t'as un 6R? D'où tu sors tes informations, toi? Comment ça t'auras un 6R sur le FS25? Qui c'est qui a pondu encore un truc, une actualité sur farming en mode... on sait déjà d'avance les véhicules qu'il va y avoir, t'sais. Salut Pébon! Oh putain. Hop là. Et tout droit. Oui, tu peux. Comment ça, je peux? Merde, putain, je suis en train de regarder mon chat, du coup je regarde pas la route. Je peux mettre le 3 points sur le Fiat là, vous êtes en train de me dire? C'est le Fiat à Giant, hein. C'est pas le Fiat modé, hein. Enfin, c'est le Fiat modé, mais c'est le Fiat origine Giant. Je me rappelle pas que tu pouvais. Je savais pas que tu pouvais mettre le relevage avance dessus. Faudrait que je regarde. Et bien en même temps qu'on ira changer le semoir, j'essaierai de regarder si justement on peut du coup le faire. Mais je l'ai pas vu, sinon je l'aurais mis le relevage avant. Je suis étonné. Je suis en train de détruire mon champ. Comment j'aime bien du coup ce petit mode. C'est un mode con, mais c'est un mode qui est pas mal. Tu vas voir les trous que je vais te faire moi dans le machin. Ça va être juste insane. Surtout c'est avec un mode. D'accord, ok. Bon, c'est une possibilité. C'est possible alors. Faut que je regarde. Je te jure, il va y avoir plein de tracteurs sur FS25, source sûre. Ouais, non mais ça je me doute. Merci. Merci. Là je me doute bien qu'on va y avoir. Va y avoir du tracteur, de la moissonneuse, un peu de matériel agricole, mais vraiment un tout petit peu. Ah, ça je suis sûr. La blague a du mal. Ça peut être pas mal. Moi j'ai une Ménard. Ah, la Ménard, la fameuse Ménard. Moi j'aime bien le petit mode quand même pour patiner. Ça fait pas dégueulasse du tout. Attends, bouge pas. On va s'y remettre. C'est que Pépon, tu reviens dans le game, c'est ça? Hop, putain. Hop, un tout petit peu sur le côté. Ça va bien se passer. Il paraît même qu'il y aurait des champs. Non. Dans Farming, il y aura des champs, t'es sûr? Je croyais que c'était un jeu d'intérieur. C'est pas super. Ah, je confonds avec Supermarché Simulator. Pardon, excuse-moi. C'est vrai. Ah, c'est possible que dans un jeu agricole, il y aurait des champs. J'ai le chat Twitch qui est en train de troller. T'sais. Et ça me fait rigoler. T'sais. Alors, je sais pas si je peux vous l'afficher. Et ça me fait marrer. Alors, attends, bouge-moi. Du coup, j'ai réparé mes petites conneries.
Alors là, le problème, ça va être de ramener ça à la ferme en gardant un tout petit peu de direction pour pouvoir vider le semoir, aller ramener gentiment ça à la ferme, gentiment. Allez, mets le nez par terre là. Voilà. Allez, encore un peu. Mais chut, c'est un secret. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Il y a du troll. Oh. Ça serait bien que tu tournes à un moment donné parce qu'il est là-bas le champ que je veux aller là. Allez, mon petit Fiat, tu peux le faire. Oui, on fait un peu d'acrobatie ce soir. Là, voilà. Maintenant, on revient. Voilà. Impeccable. Voilà. T'inquiète, je l'avais lu. Je l'avais lu le pseudo. Je l'avais lu. Mais là, je suis en train de me battre avec mon Fiatouné là. Comment te dire que. C'est pas tous les jours qu'on s'amuse à faire ça. Hein. Là, je vais pouvoir vider. Alors, oui. Il va falloir que. Peut-être que je replie à un moment donné. Voilà. Allez, replie les ailes. Rentre, maman. Voilà, impeccable. Et on tourne, on tourne, on tourne. Oui. Impeccable. On avance. Ce soir, Twitch est très trolleur. Oui, apparemment, je sais pas, ils ont décidé. C'est parce que j'étais en retard. Ah, j'ai une palette qui... j'ai une palette qui a pas apprécié de traverser un mur, là. Bah, au moins, là, j'ai les 4 roues au sol. On va aller changer ça et on va aller, du coup, au magasin vite fait, aller regarder ça, du coup. On va regarder si on peut mettre le 3 points et si on peut foutre... si on peut baisser la taille du semoir, histoire de dire qu'il soit pas trop trop lourd. Histoire de dire qu'on puisse travailler correctement avec. Bah sinon on le changera, hein. Tant pis. Hein. Oula. À ce qui paraît, les tracteurs ont des roues et des chenilles sur le FS25. Ouais, bah comme celui-là quoi. Vous avez pas quelque chose de plus constructif? Le premier qui me dit qu'il y aura une nouvelle culture, je le frappe. Je le bats de vie. Ah mais non, mais lol quoi. Mais fous-moi la paix le jeu, 30 secondes. Ah, ces arbres. Je vais acheter une tronçonneuse. Je vais faire un débardage moi à un moment donné. FS25, c'est sûr qu'il y aura des bugs. Oh putain. Alors moi je suis prêt à parier que oui, bien sûr. Il y a de fortes chances qu'il y aurait des bugs. Maintenant, des bugs corrigés en fin de licence, c'est pas sûr hein. Regarde, le 22, il est pas fini de corriger. Hein. Malheureusement, à notre grand regret, il est pas encore fini de corriger. Bon, ils ont fait quand même un grand ménage hein, dans le nettoyage du dernier patch là. Bon, ils en ont créé d'autres, mais sur ce qui allait vraiment pas, ça a fait le nettoyage. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai oublié de vous dire, YouTube là. Si vous voyez le Fiat qui a plus d'heure, qui a à peine à 20 minutes, c'est normal en fait. C'est parce que par mégarde. À la fin du live la dernière fois, j'ai vendu le Fiat. Et oui, bah ça arrive. Voilà, ça arrive. J'ai fait des bêtises. Capacité 2000. Bah il est déjà en 2000. Non, il était en 2500. Donc là en 2000. Ça pourrait être pas mal, figuré. Oui, ça va, ça me coûte zéro. Et bah non, le Fiat. Configuré. Ah, c'est bien ce que je pensais. T'as pas l'attelage avant. T'as pas l'attelage avant d'origine, là, du mode, là. On est d'accord, y'a pas d'attelage, là. Je suis pas fou. On est d'accord, y'a pas d'attelage sur le Fiat. Ça veut dire, sur le 19, j'avais pas d'attelage. Alors, j'ai pas dit que si je pouvais en rajouter un en modant le truc, mais... C'est moi ou il a... Ah, si, il a... Putain, mais il a encore un peu... Un poil lourd, quand même. Qu'est-ce qu'on fait, là, le semoir, là? Qu'est-ce qu'on peut prendre en écart, là, en semoir? À la place de celui-là, là, qui est légèrement trop lourd. J'ai peut-être pris trop grand, hein, j'aurais peut-être dû prendre un 4 mètres, parce que là j'ai dû prendre un 6 mètres. Et du coup, c'est ça qui a dû me foutre dedans. Fais voir qu'est-ce qu'on avait pris en mode que les viewers m'avaient donné. Là. On avait 150 chevaux, 2 tonnes 4, 1 tonne 2. Tu vois, déjà il est plus léger. 2 tonnes 4, ah ouais, tu m'étonnes qu'il est lourd. Bon, après il est plus grand. Hein. On avait le 3 mètres. On va se faire chier en 3 mètres. Hein. Ça va être long. Mais on galérait peut-être moins. 2000 litres.
On va essayer. Est-ce qu'on essaye comme ça? Mais moi j'ai peur qu'ils soient encore trop légers. Hein. On va essayer, on va regarder, mais. En plus, là, t'es les plus chers, quoi. Voir, marche arrière à fond, accélérateur. Oula, bah là, il y avait des chevaux, là. Oh, il lève encore. Ouais, ça le déleste, hein. Regarde les promotions. Ah oui, j'ai pas regardé les promotions. Bonjour. Bijour. Bijour, bijour. Attends, je vais le charger juste pour voir si les roues décollent. On le voit lever au fur et à mesure. Ah, j'en ai plus. Bah si, j'en... Ah bah voilà. Alors, voyons voir. Ah, ça va mieux quand même, ça va mieux. Hop là. Il ne voit rien, comment ça je vois rien? Qu'est-ce que j'ai oublié? Aurait-il des animaux sur FS25? Non, il y aura des lapins. Voilà. Il y aura des lapins. Ah putain, je lève encore. Ah, fait chier ce... Promotion, on n'a rien, malheureusement. Si, on a beau MF. Mais bon, c'est... J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent du game, là. Bon, bah on va se démerder avec ça. Du coup, ce qu'il va nous falloir, c'est un plombeur, après. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ça pourrait être pas mal. Un petit plombeur. Oh, ça va mieux quand même. Hein. Ça tangouille un tout petit peu moins. Bon, ça lève encore. C'est pas grave, tu mets un coup de frein et hop, ça redescend. Mais ça va mieux quand même. Hop, 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 hop. Hop là. Regarde Discord. J'ai pas le temps là, mon ami. Bon, tu veux que je regarde Discord? Ah, Julien, repasse le message, ça va être plus simple. Je peux pas être partout. Nom de Dieu. On n'est pas nombreux, j'arrive pas à suivre le chat, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que ça va être quand on va être 600 sur le prochain FS25 qui va être une grosse tuerie? Tu vas louper. Tu vas louper. Tu vas louper quoi? Front lights. Ouh. Ouh. C'est qui l'a sorti? C'est toi? Oh putain. Oh putain. C'est pour ça que tu viens me voir? Et que ça y est t'as... Ah non, même pas. Ah putain, c'est pas ce que je croyais. Oh. Ah non, c'est celui-là, l'attelage que tu rajoutes, le front light. Ah d'accord, ok, ok. C'est quoi la photo juste en dessous en fait? Putain, la 3D est bien faite, hein, elle est pas dégueulasse. Putain, elle... ouais, mais Pépone, franchement, tu sais quoi? Si je le montre, t'assumes derrière. Hein. Moi, je te le dis direct. Parce que tu sais que si je montre ça, tu sais comment ça va se passer. Ça veut dire que la V2, il faut le travailler. Parce que là, tu peux pas avoir ça sans la V2. C'est pas possible. Et tu vas faire tu vas faire du bruit là si je montre ça. Agrandi, pas encore fini. Ouais, il y a encore 2-3 détails qui seront pas encore voilà, tu sais, qui sont pas encore je le vois l'image, il est agrandi sur mon deuxième écran. YouTube, on va se laisser là. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve juste après, quand j'aurai fini de regarder ça avec Pépone 30 secondes. Vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Je sais que l'épisode était un peu moyen. Mais inquiétez pas, ça sera mieux sur le prochain. Je fais des gros bisous. Ciao, bonsoir.